J'adore l'eau. J'ai fait de nouvelles portables. Pas une tasse. Ah, tu primes. Wow. En fait, c'était quand on a fait la Ferrari avec Luc. Et en fait, on était en train de faire la SF 90. Et là, je reçois un message de mon pote Louis de Jean L'Héritage. Donc, faut savoir, là, quand c'est arrivé, je venais d'enchaîner la e-tron, la GTRS et. Et donc le Taycan Cross Turismo, c'est plus la SF 90. Enfin, clairement, ce début d'année, je l'ai vécu, mais. Enfin, c'était. Je sais pas, j'ai halluciné. J'ai eu un bon petit trou de clientèle en hiver, mais bon, ça, c'est à peu près tous les hivers. Donc, bon, j'en ai profité pour chercher ce qui allait pas et tout, mais. Et puis mettre des choses en place pour. Pour régler les potentiels soucis qu'il pouvait y avoir, les choses que je pouvais améliorer et tout. Et là, l'année, elle avait commencé de ouf. Et genre là, je reçois un message de Louis, de Jean L'Héritage, qui m'envoie une photo de cette GT3 RS, donc en pack WESAC en plus. WESAC, si on veut dire à l'allemande. Et il me dit ouais, faut que tu me fasses un PPF. Et genre Luc il voit la vidéo, il me dit ah ça j'adore, il me dit ça, putain, il me dit t'as de la chance, j'aime ça. Franchement, il me dit je viens la faire gratuit avec toi et tout. Bon, il est pas venu bien entendu parce qu'il avait du boulot, puis derrière il avait 812 GTS à enchaîner derrière la SF90. La 812 j'ai pas pu la faire avec lui. Enfin j'ai pas pu. J'avais aussi du boulot quoi en fait. Et ouais, et du coup bah la GT3, je la place, je dis bah voilà, écoute, je peux te la faire tant et tout, à tel moment, pour tel prix et tout, et il me dit allez, on valide et tout. Du coup je commande le film. Et puis voilà quoi. Ça s'est fait comme ça, j'étais refait, hein, j'avoue. Hein. Du coup cette voiture, elle a été préparée un petit peu à l'avance. Par Romain, préparateur de Jean L'Héritage, qui fait du super taf. Franchement, voilà, le bloc avant il était poli complètement. C'était vraiment nickel. Donc, je l'ai relavé forcément. Enfin, on l'a relavé avec Damien. Puis après on a enchaîné. C'était vraiment des. Alors le pré-cut était magnifique, comme la SF90. Et c'était vraiment des formes qui sont difficiles et à la fois et à la fois en fait faciles, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette voiture. Franchement, le capot carbone, c'était un grand plaisir. Les ouïes et tout, les ailes, c'était très compliqué. Avec cette prise d'air. Par contre, il y a un truc que je regrette, c'est au niveau des prises d'air sur les ailes. Bah, en fait, là, on était sur des prises d'air plastiques. Et c'est vrai que je crois qu'il y a un pack où les prises d'air, elles sont en carbone et elles sont en carbone verni. Il me semble. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que justement, il y a un PPF qui est prévu pour protéger ces petites ailettes. Donc voilà, je pense que, à moins que ce pack soit prévu peut-être en PPF mat, mais voilà. En tout cas, vraiment très belle expérience. Et puis après, le kiff ultime, parce que du coup, avec Damien, on a ramené la voiture, donc on a fait à peu près 35 km avec, et on a ramené la voiture chez Héritage, et du coup, maintenant, le véhicule, il est en vente. En vente là-bas avec son PPF
sur tout le bloc avant, quoi. Donc vraiment une très belle expérience. Ça commence à faire pas mal de jolis projets pour un début d'année. Et je suis vraiment très heureux. Voilà, ça fait plaisir, le travail paye et je suis vraiment content.